Écoutez, comment vous voulez que je sache où est ce groupe, patron? Je déteste ce truc. Ok, bon. Le patron est pas très content. En fait, c'était pas la bonne fille. Va falloir que tu m'aides à retrouver la bonne. Moi? J'ai fait ce que vous vouliez. Ouais, et je t'ai montré l'astuce des abeilles, alors disons qu'on est quitte. Pourquoi votre patron veut à tout prix retrouver quelqu'un alors qu'une bombe va exploser? Vous voulez pas foutre le camp d'ici? Je m'en fous. C'est pas comme si j'avais une raison de vivre, après tout. Écoute, t'as dit que tu connaissais quelqu'un qui ressemble à cette fille. Annie, t'as dit qu'elle s'appelait Annie. Bah c'est peut-être la fille que je recherche. Alors pourquoi tu la ramènerais pas ici? Et on te donnera ce que tu voudras, du carburant pour l'avion, tes amis, ce que tu veux. Je sais pas si je peux lui faire ça. C'est pas contre vous, mais... Ok, bon. Te fais pas exploser la tronche par la grosse bombe en sortant. Je vais demander à ma patronne si elle sait où elle est. Elle a l'air de la connaître et de savoir où elle traîne. Ok. Ok. Me laisse pas trop poireauter. Hey, salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va un peu mieux, nettement mieux même j'ai envie de vous dire, donc c'est vrai que j'ai dû stopper quelques jours les vidéos parce que j'étais pas super en forme, vraiment mal à la gorge etc, enfin vous voyez, une petite bronchite qui fait que ben on n'est pas super en forme, donc il faut arrêter de faire des vidéos hein, pendant un petit temps, toujours en compagnie de Ravi et bien sûr notre, je sais pas si on peut appeler copain, parce qu'il est un peu bizarre quand même, Gary. Alors, on va prendre les plans. Donc, ça fait un petit moment que je suis pas retenu sur le jeu, les amis. Je vous le dis, hein. Donc, niveau des touches, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Non, on s'en fout un peu. Je pense qu'on va faire la quête principale. Parce que, a priori, il a pas l'air d'être super emballé par le fait que l'on prenne notre temps. L'autre. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 c'est pas bon les amis ça. Tiens, c'est bon, t'as assez de manger, c'est cool, pastèque, couteau, cocktail, bière, ok. Et ben on est parti. Vas-y, bouge de là toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Encore un plan récupéré ici, nickel. Qu'est-ce qu'on va faire les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la quête principale, je pense, hein, parce que c'est vraiment là. Allez à l'avion, d'accord. On va aller directement à l'avion. Écoute, parce que voisin, pas tellement envie de la foutre cette quête. Je vous le dis sincèrement. En plus, il fait nuit. Les zombies sont beaucoup plus méchants. On va trouver une petite bagnole puis on va se barrer. On va prendre celle-là. Non, on va prendre l'autre à côté. Attendez. Oh, petite Mustang là, oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez hop. Allez, montre Ravi là, on est pressé. Oh, le bruit de la voiture. C'est pas ma voiture qui parle les sandwichs, moi c'est moi qui vous le dis. On est parti. Oh là 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 là. Oh, c'est toujours aussi impressionnant, les amis, ce jeu. Même après quelques jours sans y avoir joué. Oh, marche arrière. Tromper de route. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Même si on a GPS, on peut toujours se tromper de route, hein, ça arrive. Oh là 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 là, le bruit de la bagnole, les amis. Ah, elle est péchue, hein. Donc, moi qui m'inquiétais, que je disais, ouais, il n'y a pas de tombée de la nuit dans ce jeu, c'est bizarre par rapport aux autres Dead Rising. Eh ben, si, je me suis trompé, il y a bien la nuit. Donc, c'est pas du tout pour me déplaire, hein, je vous le dis. Hein, qu'il y a un cycle jour-nuit, je trouve ça même nettement mieux. Surtout pour un jeu open world. Ça serait dommage qu'il n'y ait pas ce système-là. Appel entrant. Nick, un gamin trouillard qui pleure des cheveux d'un mot à côté du chantier d'Almouda.
il y a vraiment trop de zombies. Hein. C'est un truc de fou furieux. Donc, entre les pompiers qu'il y avait tout à l'heure, là, les... Enfin, tout à l'heure, on les a croisés, les pompiers, parce que vous avez vu sur la route. Là, il y a même des gars de chantier, maintenant. Donc, je sais pas s'ils sont plus forts que les autres, je sais pas du tout. Ah bah, il est là, Kenny. On va essayer de l'aider. Il est juste à côté, on va voir ce qu'il veut. Écoutez, hein... Qu'est-ce qu'il parle des noobs, lui? Oh, je suis tombé! Oh, je suis tombé! Ah, secours! Sauf qu'il peut! C'est pas super maniable hein, quand on se met à courir comme ça. Oh là là! Oh, regardez la figurine là-haut là! Ça me fait trop penser à Fallout! Je sais pas ce que vous en pensez. Allez hop! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hey, doucement! Pourquoi tu t'en veux à ce point-là? Je suis nul! Je voulais juste faire un truc bien pour une fois, mais je me suis planté! Maintenant, tout le monde est mort! Les zombies sont très costauds. Je suis sûr que t'as fait de ton mieux. Tu vois, je suis nul. Dans ma tête, j'étais le roi de l'impossible. Mais dans la vie, je suis qu'un pauvre naze. Écoute, on peut vaincre ces zombies. Tu peux les semer et tu peux même les tuer. Mais comment? C'est des zombies. Hey, wow. Si tu te calmes un tout petit peu, je vais te montrer des prises pour tuer les zombies. On peut vaincre ces zombies. Si tu veux, montre-moi comment t'en tues sans armes, si t'es si doué. Ok, bah écoute, à main nue, très bien. C'est parti. Très bien, on va essayer de poser les armes. Déjà, il y a mon copain qui nous tire des trucs, donc comment poser une arme? Voilà, j'ai posé la pastèque, et bien écoute, c'est parti. Hein, on est des fifous? Écoutez, venez par là. En plus, il fait nuit, donc les zombies sont vraiment beaucoup plus résistants. Allez. Voilà, déjà un de moins. Je sais pas si elle a compté. Ça les compte pas, j'ai l'impression. Pas l'impression que ça les compte vraiment. Ouf. Oh là là, je leur pète le dos, quoi. Voilà, mais c'est du catch, hein, les amis. Sauf que j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme il faut. Oh, ah, c'est bon, ah, d'accord, faut les tuer en fait vers lui. Oh là, ils sont trop nombreux maintenant là. Vas-y, fais ménage un peu, mon copain là. Voilà. Voilà, faut manger. Faut que je mange un bout là, sinon je vais mourir. Ça serait dommage. Attendez. Hop, on mange un coup. On pose le casque, hein. Ça sert à rien le casque, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Boum! Oh, je te mets des grosses patates dans la face là. Pourquoi ça marche pas? Je fais bien le coup pourtant. Un peu bizarre quand même. C'est très mal expliqué, je trouve, ce genre de quête. Voilà, je l'ai tué. D'accord, en fait, faut juste faire le coup final pour les tuer. Hop, voilà. Voilà. Allez. Putain, ils meurent pas tous un par un hein, quand on fait ça. On a beau leur péter le dos. Voilà, je pense que c'est bon. Ah, on va remonter sur le toit maintenant. On va manger un petit truc. Allez, c'est parti. Ravi, à mon avis, il va se faire déglinguer s'il reste en bas, si vous voulez mon avis, hein, les amis. Hop, prends ça. Voilà. Oh, Ravi, faut que tu remontes vite, là. Ravi va crever. Hey, oh là là, reviens vite. Voilà. Alors, mentez pas. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Nick. C'était génial. Mais en dehors des RPG, je sais pas me battre. Génial. Il y a autre chose que le corps à corps.
Mieux vaut avoir une arme, ou alors en combiné. Oh, ouais, montre-moi, montre-moi, allez, vas-y. Parle à Kenny, donc ça c'est fait. Crée une arme près de Kenny. Je veux bien créer une arme près de Kenny, sauf que... Mis à part du popcorn ou je sais pas quoi, j'ai pas grand chose. Une planche en bois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être un truc avec ça qu'on peut faire. Tuyau de plomb. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Bon, écoute-moi Kenny. Je repasserai un prochain jour parce que là tu commences à me saouler. J'ai pas vraiment envie de perdre du temps avec toi. Surtout qu'on est près du lieu de quête, hein, donc on va y aller. J'en ai marre de Kenny, m'a saoulé. De toute façon, Kenny, hein, comme dans South Park, à mon avis, il va mourir. Ah, ils sont énervés. Hein. Pétard. On s'en fout. Oh, petite cuisine bien sympathique, là, les amis. Tranquille, au calme. La bouffe passe par là, c'est bien. Oh là 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 là. Ah, il y a une bagnole, à mon avis, ça va être ici. À mon avis, c'est ici. Si vous voulez mon avis, on rentre. C'est quoi? Nick? Mon chou? Oh bon sang, tu es vivant! T'as trouvé du Zombrex? Y'a pas à s'inquiéter, je vais bien. Dieu merci, mon chou. Parce qu'on a besoin de toi. Je suis pas assuré. Elle a besoin de moi. J'ai lâché mes potes. J'ai déserté. Ouais. Et tu sais ce qu'ils font, traître, hein? Non, mec. Quoi? Oh, non! La ferme! C'est un vieux pote à moi. On a fait un tas de foyers d'accueil, tous les deux. C'est bizarre. Vous avez quasiment le même tatouage. Ouais. On sait pas ce que c'est. On a ça depuis toujours. Va falloir le bricoler. On monte peut-être deux pièces. Je vais vérifier. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver du carburant? En fait... T'as une piste? Peut-être. J'ai croisé un type. Il recherche Annie, je crois. Il me donnera du carburant si je la lui amène. Et en quoi ça pose problème? On serait tous gagnants. En plus, cette garce mérite largement ce qui lui pend au nez. Ouais, mais... Écoute. Ils ont un tas de planques. Partout dans la ville. Il paraît qu'il y en a une grande à Sunset Hills. Cherche ce graffiti. Et tu sauras que t'es pas loin. Ils mettent ça pour indiquer que c'est une zone sécurisée. Ouvre grand les yeux. C'est comme ça que tu la trouveras. C'est un peu dégueulasse de faire un truc pareil. Sais qu'elle est super mignonne et tout. Mais à choisir, je préfère qu'on survive plutôt que tu t'envoies en l'air. Je vais la chercher. Ouais. Donc en gros, on va chercher Annie. Il me semble qu'Annie, c'était la brune, hein, tout début de la série. Peut-être que je dis une bêtise, j'en sais rien. Mais a priori, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être des clous? Ah, bah des clous. Avec la planche en bois, on va tout de suite revoir Kenny. Parce que Kenny, il va commencer à me saouler si on va pas le voir tout de suite. Je crois qu'avec... Regardez, je crois, hein, je suis pas sûr. Je dis peut-être une bêtise. Attendez, hop, on va prendre ça. Je vais manger ça. Je vais également prendre la viande. Non, c'est pas la viande, je crois. C'est quoi que j'ai buté comme plan? Ah si, c'est une main plus une dynamite. Ah, ça peut être tranquillou, ça. Allez, on va faire ça. Hop. Une petite statue. Non, la statue. S'il te plaît. Voilà. Impec. On va retourner dehors. Je vais juste changer d'arme. Pas me tromper. On va retourner voir vite fait Kenny. À mon avis, ça sera pas la dernière quête. En plus, avec lui, je sais pas pourquoi. Voilà, quoi. Il est un petit peu casse-couille, à mon avis, ce Kenny, hein. Oh, la voiture est en très mauvais état par contre, hein. Je crois pas qu'elle va durer très longtemps. On va essayer d'aller doucement avec la voiture, on va essayer de... Peut-être pas éviter tous les zombies, hein, parce que ça sera un peu dommage. Bah, attendez, il y a un 4x4 ici, on va le prendre. Un SUV, c'est toujours de très bonne qualité les amis, si vous voulez écraser des zombies. C'est peut-être une voiture que je vous conseillerais.
D'accord, un camping-car, on va déjà faire Kenny déjà. On va essayer de faire ça, de cette quête un peu de bidon. Moi, je suis un fou, hein. Moi je monte dans le bâtiment, moi, hein. Dans le building, comme disent les Américains. Hop, on va créer une arme devant le petit Kenny. Hop, combo. Et regarde ça, tu vas être surpris mon Kenny, hein, parce que là je te fais une zombamite. C'est comme ça qu'on arrive à mater les zombies. Waouh. Toi t'es vraiment monsieur. Je tue des zombies au petit déj et quand j'ai fini, j'en tue d'autres pour le déjeuner. C'est juste que je tiens pas à mourir. J'aurais voulu que tu sois là il y a une demi-heure. Pauvre Jean, j'aurais dû. J'ai pas pu. Toi, t'aurais pu. Eh, hey, sois pas si dur avec toi. Continue à travailler les prises que je t'ai montrées et tout ira bien. Ouais, je vais le faire. Je suis super fort. Moi, Kenny Dermot, je protégerai les innocents. Je vaincrai les morts vivants. Je combattrai l'injustice et jamais je n'abandonnerai. Je serai comme toi. Merci de m'avoir aidé. Je vais aller sauver des gens. Eh ben c'est bien ça, Kenny. Très bonne initiative, écoute. Moi, Kenny Dermot, ok, on s'en fout. Je protégerai les innocents. Je tuerai les zombies. Et je l'injustice et je n'abandonnerai jamais. Ça a explosé. Regardez. Oh, ils vont tous là-bas. Oh. Allez, regardez. Hop, on en relance une là. Il n'y aura pas grand monde qui va venir, je pense. Attention. Oh shit! Et une là-bas. Il y aura plus de monde là-bas, je pense, les amis. Attention. Oh shit! Ah, c'est bon ça. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver les infectés illégaux. Ouais. Eh ben, on va se rendre là-bas. Déjà. Hop. Allez, Kenny. Quand tu veux. Kenny, ravi, excuse-moi. T'es monté. Petite marche arrière, là, tranquille, au calme. Oh, excusez-moi, les gars. Allez, on est parti maintenant. C'est assez loin, quand même, c'est à plus d'un kilomètre. Ah, dégage. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ouais, bon, si on ferait toutes les quêtes franchement qu'il nous donne, à mon avis on n'a pas fini. C'est à mon avis. Surtout que c'est un let's play que j'aimerais faire notamment sur la partie principale de l'histoire, hein. Je pense que c'est là le plus intéressant. Après je vous laisse découvrir vous-même, ceux qui voudraient plus tard, ceux qui auront le jeu ou la Xbox One, les quêtes secondaires. Je pense qu'il nous intéresserait le plus c'est la quête principale, hein. Après dites-moi ce que vous en pensez. Sinon ça risque de faire un let's play super long. Déjà que je galère avec mes autres let's play, hein, j'ai pris beaucoup de retard avec ma bronchite. Donc j'aimerais quand même aller faire le jeu un peu en ligne droite. On fera quand même des quêtes secondaires, hein, vous inquiétez pas. Attendez, je me repère un petit peu, d'accord. Je vais quand même mettre un point de compétence dans l'inventaire pour avoir un. Une place en plus, hein. Une place en plus, c'est toujours très très important, les amis. Est-ce qu'on peut y aller par là? Oh, petit ralentissement là, ça arrive rarement, mais ça m'arrive à ce moment-là. Petit ralentissement. Oh merde! D'accord, ok. On est foutu. On va faire demi-tour. On va voir un autre endroit où passer. Dégage. Oh non, non, on va se retourner. Oh, faut pas qu'on se retourne. On est foutu si on se retourne. Allez, on se barre. Allez, ravi, on va chercher nos voitures là. Peut-être celle-ci, elle va bien celle-ci. Ouais, elle est en marche. Oh là 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 là. Vas-y, monte. T'es où? Je sais pas s'il est dedans. Si, c'est bon, il est dedans. Allez, on y va. On est bientôt arrivé, vous inquiétez pas les amis. Encore quelques petits zombies à déchiqueter là.
pense qu'il faut aller par là. Allez. Non, c'est un cul-de-sac là. Merde, c'est un cul-de-sac. Kenny, c'est foutu. Ouais, faut qu'on chope la route en fait. On chope la route. Pourquoi je l'ai appelé Kenny quoi? C'est Ravi. C'est comme des fois je dis ouais, on va jouer à Walking Dead alors qu'en fait on joue à Dead Rising, les amis. Hein. Je suis extra fan de Dead Rising. Enfin, de Walking Dead, pardon, mais ça m'arrive de faire des lapsus. Alors, c'est tout, hein? On n'a pas le temps, Tara. On est un peu occupé. Oh, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. On sort, on sort, on sort. Pas d'embrouille, on sort. Allez hop, on y va. On va y aller en courant. On dirait que j'ai des amis. J'espère que Ravi est pas resté derrière. Oh, Tara a succombé. Tara est morte. En même temps, Tara. Tara porte ? Oh là là, c'était nul. Bref, on n'a pas le temps, désolé. Un zombie en plus sous le capot. Waouh, le zombie, il a fait 6 tonneaux. Allez, allez, allez. C'est un jeu de bowling, hein, j'ai oublié de vous prévenir. Ah, on voit la marque juste là. Allez, relève-toi. On grimpe, on y va. Vite, un petit snack. Non, un petit snack, j'ai dit, pas une chaise. On s'en fout de la chaise. Un katana, un plan d'armes. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je cherche une fille qui s'appelle Annie. Elle est là? Comment tu connais Annie? Je peux te laisser entrer si tu me rends quelques petits services. Quel genre de service? Bon, on a dû quitter nos autres plans en vitesse. J'ai laissé des trucs importants. J'ai laissé mon kit de tatoueuse à l'école. Et mon alliance, je l'ai laissé à la maison en construction. Oh. On était poursuivis. Elle est dans une boîte. Ok, je vais récupérer tes affaires, mais après, tu me laisseras la voir. Ouais, c'est ça le deal. Le kit de tatoueuse à l'école et la boîte dans la maison. Cherche le graffiti. D'accord, ça marche. On a un deal. Bon, bah ça me paraît plutôt correct. Par contre, les amis, on va se stopper ici pour cet épisode. Hein, un petit peu court, mais au moins, on aura fait bien la quête principale. Et ça laissera un peu de suspense pour la suite. On se donne rendez-vous très 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 vite, rassurez-vous, je fais plein de gros bisous, porte bien, c'est tout le monde, bye bye.